vous pensez à une réédition en tout cas? On y pense. Mais c'est trop tôt, d'abord faut le défendre le projet. Voilà, c'est ça. Bah, est-ce que c'est moi qui ai annoncé sur Twitter une réédition arrive? Il a pas annoncé. Il a pas dit quand. Il a dit est-ce que vous êtes chaud? Non, pas annoncé. Il a dit t'inquiète pas sur la réédition, je serai fort gros. Il a dit ça. Du coup, je demande. Tu dis pas tout. Je demande là, je suis obligé de demander. HK. Ah, dis-moi, Jeffy, Bene, Tiako, est-ce qu'il y a une réédition est prévue? Ah, peut-être qu'il y a sa réédition à lui. Juste. La 4 queues qui est là, vide artiste, c'est disponible. 14 feats, 51 minutes, 3 feats, Niska, C-Boy et Leto. Quels sont les premiers retours de ce projet pour vous? Avec des bons chiffres en première semaine, hein, 5257 ventes. Fort. Ils envoient des bons retours, hein. Ouais. De la force, tout. Je vois que vous pistez vraiment tout, hein. Sur Twitter, ça retweet un peu. Ils envoient de la bix fort de ouf, les retours c'est lourd. On s'était vu il y a pile un an, en janvier 2019, j'avais senti en vous une déception par rapport au projet à cœur ouvert, une compréhension de certaines choses. HK, dans Wax to Be, tu dis ça. C'est sérieux, je fais bouger ta cité de mixtape en mixtape, j'ai cerné ce que voulaient les soldats et ceux qui nous aimaient. Forcément, moi j'ai directement pensé à ça. C'est quoi les choses que vous avez comprises du coup? Déjà, fallait plus travailler. Au studio, en fait, on était trop en mode comme avant, genre. Ouais, c'est ça. C'était comme avant, il n'y avait pas de travail, on prenait ça à la rigolade. Ouais. En fait, c'est sérieux. Un album, faut le faire sérieusement, un projet. Pourtant, on même sentait que dans ce projet, il y avait aussi de la diversité. On pense notamment à des sons de mariage, ouais, il y avait beaucoup ça, de choses. Aussi, ouais. D'après vous, qu'est-ce qui a pas marché? Enfin, c'est pas que ça a pas marché, mais que ça a un peu déçu, on va dire. Je pense, moi, on aurait pu plus travailler au séminaire. Connaissant ouais, séminaire. C'est ça aussi. Vous êtes vraiment. Ouais. Ouais. Mais c'est un album aussi où vous cherchez encore. Ouais, aussi. Votre, on cherche encore. Chacun cherchait son poste. Ouais, et là, dans cet album, on le voit voilà, plus ça, en fait. Ça, c'est important c'est de ça. Dire. Je l'ai dit en plus sur Twitter. Vous avez tous. HK, t'avais confirmé. Ouais. Moi, j'ai senti qu'il y avait un truc différent. Tout le monde a trouvé son style. Voilà, c'est ça. Tout le monde a trouvé son style, notamment Bene. Toi, t'as vraiment ces derniers temps trouvé ce truc trap soul, comme d'ailleurs s'appelait ton solo. On te ressent vraiment aussi dans cette touche-là, dans cet album. Ouais. Mais toi aussi, Jeffy, je trouve que t'es plus au niveau de la mélo aussi. Ouais. Tu t'es trouvé par rapport à ça. Surtout ton score. HK, ouais, score incroyable. Ouais. HK, bien sûr, kicker, Tiako, la mélo. Est-ce que c'est ce truc-là qui a fait que l'album marche? Ouais, c'est ça, c'est l'équilibre. On a trouvé la compo. Ouais, on sait qui doit faire quoi, t'as capté? Alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. On était plus désordonné, là, c'est bon. On sait un peu. Vas-y, Bene, tu sais ce que t'as à faire, tout le monde. Même, c'est pour ça qu'on n'est pas dans tous les sons, tout ça, tu vois. Ouais, justement, on peut en parler de ça aussi. Notamment, il y a le feat avec Niska, mais il y a également Focus. Ouais, Focus aussi. On vous retrouve, vous, Bene. Ouais. Ben, ce jour-là, Jeffy et HK étaient là, et Jeffy a dit, vas-y, moi, je vois que vous deux dans ça. Nous a laissé trois. Et c'est parti de là. Bene aussi, pareil, la nuit, pareil. En plus, on ressent des nouvelles touches aussi. Je pense notamment à de la trompette. On voit dans Flashback avec Leto ou encore Je te hais, un morceau. Fait penser moi un peu à un son de Aloe Black qui fait beaucoup de la soul aux États-Unis. Des trompettes, etc. Aloe Black. Ouais. Je chante pas The Man. The Man, I Need a Dollar. Justement, ça m'a fait penser un peu moi à la deuxième partie d'I Need a Dollar, quand les trompettes commencent et tout. Et je me suis revu. Et là, on ressent ça, c'est bizarre. C'est le beatmaker, tu connais, il a ramené sa touche. Nous, on connaissait pas, nous. Ouais, mais ça change. Ça apporte une nouvelle couleur. C'est ça. Comment vous avez décidé, du coup, d'apporter aussi cette nouvelle touche à l'album? Ça, c'est les producteurs. Hein, il faut les ont des noms particuliers. Tout seul. C'est quoi? C'est Xavi Iniesta? Xavi Iniesta. Il connaît. Les terrains. C'est le milieu. C'est le milieu. Les maestros. Voilà. Bah, et toi, du coup, Bene, Jeffy, comment vous avez senti aussi ces nouvelles touches dans l'album? Lourd, hein. Lourd de fou. Ils ont ramené un nouveau truc. Tout le monde nous fait la remarque. T'as capté? Ouais. Tout le monde nous fait la remarque par rapport à ça. C'est lourd. C'est que c'est réussi. Ils ont osé des nouveaux trucs. Ouais. Des trucs qu'on n'a jamais fait. Ils ont fait tester et ça a vu ça a collé. Ouais. Et direct t'as kiffé. Il a dit lourd. Trois feats, Leto, ça fait longtemps qu'on connaît cette connexion. On se rappelle de Hood dans La Vie Continue. Tiako, t'es sur Kiff la Mode, sur Trapstar 2. C'était une évidence qu'il soit là en fait. Oui. Obligé. C'était sûr. C'est l'artiste avec qui vous avez fait le plus de feats aussi dans les projets. Enfin, vous en avez fait deux quoi. Dans les trois projets, c'était à l'époque des 4 que j'avais meeting aussi dans La Vie Continue. Ouais, c'est ça. Donc Leto, c'était important. Il y a une petite histoire quand même. Ouais. C'est plus que la musique. Que Favelas, Leto. Il y en a, j'oublie, mais en tout cas, c'est plus que la musique. C'est plus que de la musique. Et justement, avec Leto, il y a une petite histoire apparemment. Vous vouliez de base faire un son qui en fait un turn up. Et il a vu le projet, que c'était très sérieux et que du coup il voulait faire un son vraiment. Un son sérieux. C'est ça? C'est ça. On retrouve également C-Boy avec, avec ses petits extraits qui a rythmé notre été. Écoutez. C-Boy.
bâtiment. Un son afro-bendo, comme t'aimes bien dire, ouais, Chakola, qui a rythmé notre été. C'était un kiff aussi pour vous de faire ce feat avec C-Boy. Ouais, de lourd. Et c'est capté direct avec Jeffy, direct, ils ont trouvé le rôle. Donc comment ça s'est passé ce clip-là avec, assez coloré, on voit. C'était bien, là c'était, elle vivait. Elle vivait, il y avait plein de... Tout le monde était content. Des barbecues, tu vois, c'était animé. C'était que la graille, lui. Barbecue, il y a trop de questions. Ça, c'était animé. Non, franchement, c'était bon délire de fou. C'était bien, voilà, c'était animé, tout ça. On le ressent, les darons, les enfants, c'était content. Ça donnait des cadeaux après, des sacs Puma, tout ça, c'était bien. C'était un événement, on va dire. C'était lourd. Ouais, troisième feat, c'est bien sûr avec Niska, MD. Il arrive bientôt 9 millions de vues sur YouTube. Il n'y a que Chaco qui figure sur le morceau. C'était par rapport au délire du son. Ouais, c'est ce que ça, tu nous expliquais un petit peu. Bah, si ça serait un son plus trap, on aurait tous posé. C'est juste qu'on voulait un son joyeux parce qu'on n'en avait pas assez. C'est-à-dire après les autres, ils m'ont lancé. Ils m'ont dit, vas-y, go. On y va, frère. Tu gardes un bon souvenir. Mais c'est là où on voit aussi la maturité qui arrive dans votre groupe. C'est que vous n'êtes plus comme ça à chaque fois à 4 sur un morceau. S'il y en a un qui a plus de faculté ou de facilité sur un son, on va le laisser Les gens qui suivent vraiment, ils vont capter direct. Juste les gens qui sont relous, ils vont dire tout ça, mais il ne faut même pas calculer ça. Et d'ailleurs, Manu Dibango qui a validé. Le son avec Niska. C'est lourd, et qui a fait une petite vidéo d'ailleurs, ça faisait plaisir aussi forcément. C'est sûr. MD, c'est quelqu'un, Manu. Et du coup, c'est pour ça, rendre hommage aussi, c'était important. Ouais, c'était fort. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Après, j'ai dit Manu Dibango, c'était pas si très. Je vous propose qu'on se passe ce morceau. Il est tiré de l'album Vie d'artiste de la 4QS. C'est MD et c'est Fit Niska. Et c'est sur Bell. Le bougain est tellement sale, il ne peut même plus faire la go. On va danser le maco, ça saute du Manu du Dibango. Le bougain est tellement sale, il ne peut même plus faire la go. On va danser le maco, ça saute du Manu du Dibango. 4QS Fit Niska, Vie d'artiste, c'est disponible partout. Allez tous pécho ça à la Fnac, sur le stream, partout. Bon, on parlait un petit peu on va parler un petit peu de quelque chose, pas qui fâche, mais qui a pu vous blesser à un moment donné. Béné, dans Laisse tomber, tu dis ça. Malgré votre jeune âge, on sent une maturité par rapport à toute cette vie d'artiste. L'album parle pas mal des coulisses aussi de cette vie qui est compliquée, qui apporte du bonheur, mais qui peut aussi apporter des trahisons. À l'heure actuelle, comment vous vivez cette situation, vous ? On l'accepte. On fait avec, on fait avec fort. On va pas les travailler. Après, il y a des gens derrière qui. Heureusement, il y a des gens derrière qui nous parlent, etc. Ils nous donnent des conseils. On garde la tête sur les épaules. Mais à un moment, c'était compliqué. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ça va beaucoup mieux? Là, vous sentez que ça va. On arrive à gérer. On le ressent aussi parce que la manière d'en parler dans les sons, c'est beaucoup introspectif. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez aussi du mal à parler de ça. Ouais, que beaucoup de gens parlaient trop de cette séparation et que maintenant il faut vraiment passer à autre chose. Les gens, ils en parlaient trop, c'est dire nous on pouvait pas en parler parce que ça faisait trop sinon. T'as vu là c'est passé au-dessus. Ça va faire deux ans, il faut peut-être passer à autre chose. Voilà. Parce que même nous, on a fait une question des auditeurs, ça revient beaucoup. Ouais, ça revient à un moment donné, les gars, faut passer à autre chose. Les gens captent pas. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette phase de Béné dans Laisse tomber, parce que tu le dis clairement. Tu dis ce que tu penses. De toute façon, le son, il s'appelle Laisse tomber. Laisse tomber. Et là, on sent aussi que vous avez pris de la maturité par rapport à tout ça. On a pris du temps, on a pris 8 mois. C'est-à-dire ce qu'on disait, on savait ce qu'on disait. C'était octobre, septembre-octobre à cœur ouvert. Septembre, ouais. Septembre. 29, ouais. 28, je crois. Plus d'un an. Ouais, plus d'un an. Donc on voit aussi que ce projet vous a bien servi pour la suite. Bon, un peu avant la sortie, il y a un morceau qui avait fait son petit buzz. On a vu le Chris Brown de la Courneuve, Béné, snapper dessus. Le son, il s'appelle Focus. Focus. J'ai pas capté. Elle a caressé le menton. Ouais, comment ça te tient. Comment s'est créé ce morceau alors? Focus, comment on retrouve Béné et Chakola. Faut demander à Béné, moi. C'est lui, Béné, je crois que t'es chef d'orchestre de Focus. Comment on l'a fait? Je crois que c'est Chavi, ça. C'est Chavi, il nous a fait écouter la prod. Tac, on a dit, c'est sûr, meuf. En fait, il fallait un son de meuf dans le projet. Sur A Cœur Ouvert, on avait vu American Girl. Ça, c'était le coup de cœur de notre chroniqueur Angelo. Angelo, il en pouvait plus la semaine dernière, le grand sentimental. Et du coup, il avait kiffé American Girl. Il disait que Focus, c'était aussi un peu le même délire. Moi, je lui ai dit que c'était un petit peu différent, mais que c'était le même thème. C'est le même mood, en vérité. Mais voilà, il fallait un son de meuf, et donc on a fait ça.
Et t'as bien fait chef d'orchestre avec cette vidéo aussi. Quand même pas mal de bruit. Piège, on parlait de Focus, il y a Piège, il y a Square, il y a Je te hais. On vous retrouve dans des tempos beaucoup plus calmes. Ouais. C'est assez nouveau. Mais je trouve que aussi, enfin, c'est assez paradoxal parce qu'on vous a déjà vu sur ce des types assez doux, mais que dans ce style-là, on vous a jamais vu. C'est différent. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Genre, on vous a vu calme, notamment Flex dans hors série, c'était assez calme. Et là, c'est assez différent, mais ça reste calme. Comment vous avez décidé aussi de faire ça? Ça, en fait, on décide même pas. Ça, c'est quand on est au studio, on fait le son. Après, c'est là où on dit ah ouais, le son il est calme. Mais on va pas se dire là, on va faire un son calme. À part quand t'écoutes la prod, elle est spéciale comme Focus. Tu sais que tu vas faire un son de neuf. C'est là où tu sais que tu vas faire un son de neuf. Sinon, la prod, tu l'écoutes, tu sais pas tu vas faire quel son, en vrai de vrai. Surtout la grosse prise de risque qu'on a pris, c'était Je te hais. Ouais. On a pris du temps. Comme un salaud. Tu vois, c'était la top lane carrément qui est restée. C'est pour ça que c'est souvent la top lane. Ouais, moi, ouais. Béné, Jeffy, sans téléphone, il peut dire. Ouais, on m'a dit ça, apparemment, Jeffy, il a pas même pas besoin de texte. Ouais. Et hop, tu poses direct, sans texte. Ouais, comme Salif. Jeffy, c'est ça, c'est l'ancienne. C'est important. Tu sais que c'est un talent, ça. Ouais. Comment tu peux dire, quand t'as pas de texte, tu. Je sais pas comment il fait. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. En fait, il est concentré, lui. Il a une concentration. Vas-y, il écoute ce qu'on fait. Vas-y, je sais ce que je dois faire. C'est-à-dire, il va parler dans son truc à lui. Mais il y a pas mal de son calme en plus dans ce projet-là. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je trouve que le son calme, il y a une nouvelle touche aussi dans le projet. Ouais, parce que vas-y, en faisant le projet, on a pris notre temps. 2019, vas-y, on a eu trop de déceptions, t'as capté. C'est déjà au niveau de quoi, d'accord. C'était du projet, ouais. Non, même vraiment, du projet, les pas gens que aussi, du projet. On a pris du recul, tu vois. On a pris du recul, il n'y avait plus de buzz comme avant. Au niveau personnel aussi, c'est déjà, vas-y, on s'est dit, vas-y. Bah c'est vrai que sur La Vie Continue, il y avait quand même Million Garçon, il y avait C'est Joe Kidon qui avait vraiment bien buzzé. Sur A Cœur Ouvert, il y avait Moula qui avait bien marché, et Lunettes Cartier avec le clip A2 aussi. Il y a peut-être pas aussi ce gros morceau qui va lancer le truc. Je crois. Il n'y a pas eu le. Comment on appelle ça? Le tube. Le tube, ouais. Alors que là, il y a eu quand même MD, c'est un gros morceau que vous avez lancé avant. Il y avait En Bas qui était sorti, il y avait Paris de la Nuit, il y avait Vie d'Artiste aussi. Donc il y avait pas mal de choses. Que de la tête, pas. Que des droites, gauche. Tout à l'heure, on parlait du fait que tout le monde a trouvé son style musical. Et il y a un titre pour moi qui résume vraiment parfaitement ce truc, c'est Square. Square, ouais. On retrouve vraiment tout le monde dans son style. Chaco dans la mélo, HK dans le kickage, Benny dans le trap soul, Jeffy en vibes mélodieuses. Est-ce que vous trouvez aussi que ce morceau reflète vraiment ce projet là c'est morceau 100%, ouais, c'est là où c'est tu vois 100% que chacun est fort dans son délire. Benet il a fait de la trap soul comme il sait le faire, moi j'ai kické, Chaco il avait fait la mélo et Jeff il a fait ce qu'il faut aller terminer. C'est comme ça que terminé ça, ouais. toi Maxime, au niveau du projet, t'avais vraiment bien kiffé aussi? Ouais, j'ai bien aimé, ouais, notamment Flashback. Ouais, Flashback avec Leto. Est-ce que t'avais un truc à dire par rapport à ça? Ouais, bah vous avez préparé combien de sons pour faire l'album? Vous avez combien de sons pour choisir? On a fait trop, on a pris la tête, des sons. Même à la fin, on a fait un dernier son, on s'est pris la tête. C'était lequel? On a fait un dernier son, Béné a dit, venez le mettre. Et il est pas sorti? Non, c'est Billet Vert, on l'a dit. Ça y est. Le Billet Vert qui est demandé, hein. Il est demandé sur les réseaux. Il met à la mort de sa story pour les gens. Il demande, après il dit, regardez, il est demandé. Après, il met dans la ça, il faut en parler. Il y avait trop. En fait, Billet Vert, c'est un son posé, t'as capté. Il y a trop de son calme dans le projet. Et tu t'es dit que c'était pas forcément. Ouais, après, ils m'ont dit, vas-y, il y a trop de son truc, ouais, j'ai capté. Même Square, on était à Marbella, Jeffy l'avait fait, il a dit, j'ai fait un son. Ah ouais? C'est dire, moi j'écoute. Parce que Jeffy est au refrain aussi. Ah ouais? Ouais. Refrain de Square. C'est dur. À la base, Jeffy il avait fait un couplet aussi. Ouais, c'est ça. Après, ouais. Il a, comme on a tout ce qu'il fait, il a dit vas-y, moi je fais que le refrain, vas-y, faites trois couplets. Mais il y a beaucoup de sons comme ça, je pense à Mapessa. Mapessa qui est demandé partout. Ouais, il y a trop de sons. Et Vie d'un soldat. Il y a plus de 40 Vie d'un soldat aussi. La Vie d'un soldat, plus de 50 ou 30. Un truc comme ça, ouais. Ah oui. Et ouais, pour le tri, vous faites comment du coup? On a les mêmes goûts. On se pose, on écoute. Juste sur deux sons, on va. Ouais, voilà, sur deux sons. Apparemment, HK, il a pas le goût, il a pas le même goût que les autres. Hein. Non, ça, c'est les goûts, on écoute des autres artistes. Non, pas sur les autres. Je leur propose un son, ils vont dire il est nul, mais ils ont un peu écouté encore. HK, tu me parlais aussi de l'entourage qui est très important. Vous êtes entouré aussi pour ce projet de styliste. Clélia, on vous voit souvent avec elle, Marie aussi, attachée de presse de MPC. C'était important aussi pour vous d'être bien entouré pour Bah oui, pour j'ai l'impression rebondir. Que c'est le premier projet où vous êtes vraiment bien entouré professionnellement. Il y a Dawa là aussi. On remarque le changement. Grosse structure.
Franchement, on est obligé de bondir parce qu'avec un cœur ouvert, on avait fait un pas en arrière, t'as vu ? Ça veut dire qu'on était obligé de rebondir. Quand il y avait Marouane aussi qui était là, Sergio, on vous sentait vraiment déçu. Ouais, tu connais. Il hein. y avait des têtes. Ça t'es déçu. On allait se relever, c'était sûr. Ouais. On était mais d'un côté, c'est un mal pour un bien. Pour un bien, fort. Parce que ça nous a appris beaucoup de choses. On a compris beaucoup de choses grâce à ça. Vous avez appris des erreurs. Faut tomber. T'es obligé de perdre pour gagner. Bien sûr. Obligé de perdre pour gagner. Il faut éviter le piège. Je vous propose qu'on se passe ce morceau qui s'appelle Piège et qui est disponible sur l'album Vie d'artiste depuis le 3 janvier 2020, le premier vendredi de la décennie. Ouais, c'est Jeffy, c'est bon, je l'ai bien dit là. Tu valides. On se passe tout de suite 4 queues Piège sur Vienne. Tout le monde sait que t'es un vrai soldat. Déterminé à faire les euros. T'as trop de soucis, tu repenses à ce que t'as fait la fête. Déterminé à faire les euros. Tu tombes dans le piège. T'es tombé dans le piège. T'es tombé dans le piège. C'est trop tard pour les regrets. Assume ton rôle de mec de tête. T'es tombé dans le piège. Bien sûr, 4 queues, c'est tiré de l'album Vie d'artiste disponible depuis le 3 janvier 2020. Bon, j'ai quelque chose à vous demander. Un grand buveur de Capri Sun, un prénommé HK alias La Paille, a déclaré sur un réseau social avec un petit oiseau bleu : vous n'êtes pas prêt pour la réédition. Ah. Est-ce que je pourrais avoir plus d'infos sur ça, s'il vous plaît, messieurs ? Ah ouais, tu veux des infos, là, tu commences. HK, c'est très bien que j'aime bien les exclus. Là, je veux une exclus. Est-ce qu'il y a une réédition qui est prévue ? D'abord, faut streamer. Streamer d'abord. T'inquiète pas, tout le monde va streamer. Tout monde, on stream tous, Est-ce que gagner plus de stream, est-ce qu'il y a une réédition ? Forcément, si tu dis ça, c'est que. Ouais, d'abord, on va bien voir l'engouement de la version standard. Il y a des clips qui vont sortir. Ouais, bah oui. Il y a plein de clips. On va bien voir l'engouement de la version. Mais vous pensez à une réédition en tout cas ? On y pense. Mais c'est trop tôt. D'abord, faut le défendre le projet. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est moi qui ai annoncé sur Twitter une réédition arrive ? Il a pas annoncé. Il a pas dit quand. Il a dit. Est-ce que vous êtes chaud ? Non, pas annoncé. Il a dit quoi ? Il a demandé si vous êtes chaud. Il y a un hater qui a dit ouah, pourquoi HK il est pas sur le projet, il est pas beaucoup sur l'album, et il a dit t'inquiète pas, sur la réédition je serai fort gros. Il a dit ça. C'est du coup je demande. Tu dis pas ton. Je demande là, je suis obligé de demander. HK. Dis-moi, Jeffy, Bene, Tiako, est-ce qu'il y a une réédition est prévue ? Ah, juste... peut-être qu'il y a sa réédition à lui. Juste... non, il a déjà fait un cadeau pour C'est rien, c'est la rue. Une réédition est prévue. On va voir. Parler de sa réédition. On va voir. Bon, on va voir, mais ça veut dire. Ça, regarde le regard, ça veut dire oui. Non, pour l'instant, voilà, écoutez Vie d'artiste. Et écoutez bientôt Vie d'artiste, réédition. Voilà. Bon, que dire sur ce projet ? Toi, Marouane, t'as aussi bien kiffé le projet. Ouais, bah on l'a beaucoup saigné. Et normal, notamment mais... un titre qui s'appelle Je te hais. Ouais, Je te hais, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de ce morceau-là que t'as kiffé ? Bah, on en a parlé déjà un peu tout à l'heure, mais c'est un morceau qui sort un peu du lot. Moi, c'est mon préféré sur l'album parce qu'il a une vibe spéciale, ouais. Surtout avec le délire de Soul. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de Soul. T'es un mec de Soul, t'as Marouane, franchement, j'aime beaucoup. Et ça me fait penser un peu à I Need a Dollar que j'ai beaucoup écouté au collège. Et donc, ça m'a fait ramener des souvenirs. Et le son il est lourd, il est spécial. Est-ce que vous avez un petit top 3? Vas-y, dis-moi. Franchement, sur l'album, j'ai aucun son que je jette. Ah ouais, sans mentir, j'ai aucun son que je jette. Tu dis ça parce qu'ils sont là ou non? Marouane, c'est artiste ou pas, s'il faut dire une. Il l'aurait pas dit. Et là, ça veut dire que c'est par rapport aux autres projets. Sur celui-là, j'ai toujours aucun son que je jette. Ah, bien vu en tout cas. Maxime, plaisir. Toi, qu'est-ce que un petit top 3, allez, on va faire le tour de la table. Top 3. Attends, je fais mon top 3 d'abord parce que lui, vas-y, fais ton top 3, vas-y. Non, je sais pas en fait, parce que je peux pas. Jeffy, regarde. Il y en a 3, je retiens, mais je vais pas les mettre dans. Vas-y. Il y a Je te hais. Ouais. Je vais mettre Flashback aussi. Ouais. Avec Leto. Et en ce moment, je suis sur Focus. Focus. Ouais. Peut-être. Ouais. Ou Square, je sais pas. J'étais une meuf ou quoi? Il est piqué. Ce matin, je suis venu en voiture, j'écoutais Focus à mort. Mais Est-ce que t'as fait un petit snap où tu touches le menton? Non, pas ça, non. Jeffy Bene. Tiako, dans Vie d'artiste, tu dis ça. Cigale rempli, zénith rempli, y'a son père qui vient en parler, yo. Tu fais donc référence à un certain boycott des médias ou même autres. Est-ce que ça vous a forgé maintenant pour la suite, ça? Ben oui, ça nous a forgé. Ça veut pas dire on fait pitié, vas-y, truc, tout ça. C'est vas-y, frère, on a fait 2 cigales une semaine, comment on t'en parle pas? Et bah nous on a parlé, on a parlé. Mais ouais, ça vous a forgé. Ça veut dire quoi, wesh? Ça vous a forgé un petit peu aussi. Bah oui, fort. Même Zénith, tu vois. On en a fait, t'en parles pas, c'est bizarre. Ouais, vous avez apprécié à moitié quoi. Vous préférez la scène ou le studio?
Hein, la scène, la scène. Je pense tous les artistes à la scène. Parce que studio, c'est le travail. Studio, je crois. Non, studio, c'est le travail. Studio, c'est lourd. C'est le travail. La scène, c'est l'amusement. Tu peux pas comparer. Non, mais la scène, tu peux comparer. Les gars, la scène, c'est le Mbappé, c'est devant l'entraînement du match. Ouais. Non, mais moi, tu compares pas. Genre, tu travailles ou l'amusement. Ouais, tu travailles après. La scène, c'est la consécration. Ouais, c'est la consécration. C'est-à-dire, c'est impossible. T'es obligé d'aimer le concert. Le public, il ressent ton son. Ce que t'as dit, tout ça, il excite. Surtout qu'au Zénith, il y avait grave une mise en scène aussi au niveau des costumes. Ouais, au ouais, fort. Même à la Cigale. À la Cigale, j'avoue, j'étais pas là. Ah ouais. Et au Zénith, j'étais là et je voyais qu'il y avait. Je m'inviterai pour la prochaine, c'est parfait. C'est quoi les objectifs pour la prochaine ? Une réédition ? Là, une tournée qui se prépare. Tournée qui se prépare ? Normalement, sur Paname. Printemps 2020, si tout se passe bien, après une grosse date sur Paname. Grosse date, comme d'hab, on va finir. Toi, tu vas à la mort des salles. Tu as l'avance d'une salle. Moi, HK, j'aime bien les excuses. Ça veut dire que je veux tout savoir. Non, connais, je veux tout on va pas dire pour l'instant, mais c'est une bonne salle. Une bonne salle, ouais. En tout cas, il y a de la scène qui va arriver. Il y a une grosse tournée. C'est ça, ouais, c'est ça. Merci à la 4 queues d'avoir été avec nous. On rappelle Vidart. On retrouve plein de gros morceaux. Est-ce qu'il y a un clip qui va arriver? Est-ce que le nom d'un morceau? J'ai toujours des infos, t'as vu? Toi, c'est ça. En tout cas, MD est disponible avec Niska. Bientôt 9 millions de vues, ça donne ça. On est tellement sale, ne peut même plus faire la go. On va danser le mago, ça sort du manu du Dibango. Manu Dibango. On va danser le mago, ça sort du manu du Dibango.